Je suis Imane Benaoun, fondatrice d'un cabinet de conseil en recrutement qui s'appelle Aravati, et nous sommes là aujourd'hui pour parler de vos candidatures spontanées et de comment s'y prendre. La première chose que vous devez savoir, c'est que la personne qui reçoit votre candidature, quand elle est spontanée, elle pourrait considérer cette candidature comme une pollution. Vous arrivez dans sa boîte mail, elle n'a rien demandé. Donc, il faut très vite qu'elle s'aperçoive que ce n'est pas une pollution et que c'est important. Mais dans ce cadre-là, mettez-vous toujours à la place de la personne qui va recevoir le courrier et puis dites-vous comment est-ce que je vais réussir à l'intéresser, qu'est-ce que j'ai à lui raconter, pourquoi ce sera pertinent que je postule alors qu'elle ne m'a rien demandé. Donc, déjà deux types de personnes à qui vous pourriez envoyer votre candidature. Il y a d'un côté la personne qui pourrait être votre futur manager et que vous avez ciblé sur les réseaux sociaux et vous vous dites, cette personne-là, j'ai envie de travailler avec elle pour telle et telle raison, ou j'ai quelque chose à lui apporter, j'ai lu dans un article que, etc. Donc un opérationnel qui va recevoir votre candidature doit comprendre pourquoi vous lui adressez votre candidature, qu'est-ce qui vous donne envie de le rejoindre ou de travailler pour lui, pourquoi vous seriez la bonne personne pour le rejoindre, si vous avez entendu parler d'une ouverture de poste ou si vous avez entendu dire qu'il lançait un nouveau projet à l'international et que vous êtes un expert de cette région qu'ils ont envie d'ouvrir, etc. Donc très vite, dans votre mail d'accompagnement de cette candidature, il faut expliquer pourquoi vous postulez auprès de lui, qu'est-ce que vous avez à lui apporter et pourquoi cette entreprise ou ce poste ou ce projet est votre projet. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Vous avez identifié un opérationnel et vous lui avez envoyé une candidature spontanée. Très vite, il doit comprendre pourquoi vous lui écrivez et il doit avoir l'intuition que c'est intéressant. Même s'il n'a pas tout de suite de poste à ouvrir ou à pourvoir, votre candidature va rester quelque chose d'intéressant pour lui et peut-être qu'il vous contactera pour préparer l'avenir. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Vous avez réussi votre entrée en matière. Le deuxième cas de figure, vous ne savez pas auprès de quel opérationnel il aurait fallu postuler, et puis les RH sont incontournables. Donc vous décidez d'identifier la personne qui s'occupe du recrutement dans cette entreprise, et puis de la même manière, pour ne pas être considéré comme une pollution, très vite, vous lui expliquez pourquoi vous écrivez, ce que vous attendez d'elle, ce qui vous intéresse dans son entreprise. Pourquoi vous pensez que vous pourriez être la bonne personne et pourquoi vous êtes légitime pour les contacter, pour leur proposer de vous engager. Clairement, c'est toujours, vous avez eu une idée en croisant une information sur cette entreprise ou c'est l'entreprise dans laquelle vous rêvez de travailler depuis des années, c'est super. Dans ce cas-là, vous devez l'expliquer, expliquer pourquoi vous écrivez, pourquoi vous êtes motivé par leur entreprise, leur groupe, leur projet, leur développement, leurs produits, mais de manière pragmatique, concrète, qui démontre une réelle motivation et pas juste je cherche un travail et je me suis dit que pourquoi pas, ça serait sympa d'aller travailler chez Hermès, vous avez entendu dire que ça paye bien. Non, l'idée c'est pourquoi votre entreprise, vos produits, par rapport à mon expérience, par rapport à mes compétences, est une entreprise dans laquelle je pourrais vraiment avoir quelque chose à faire et à apporter. Donc toujours dire pourquoi ça vous plaît, pourquoi vous avez envie. Et deux, pourquoi vous pourriez être la bonne personne. C'est très important, très vite, de switcher sur ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Ça, c'est important. Donc, il faut que vous arriviez à conclure votre lettre de motivation par la proposition d'une prochaine étape. Donc, j'ai fait une candidature spontanée. Mon objectif, c'est de rencontrer quelqu'un, c'est de rentrer dans un process, etc. Donc, pareil, hein, il y a différentes manières de le proposer, mais voilà, je me suis permise de vous écrire à vous. Je ne sais pas si vous êtes le bon interlocuteur. Pardonnez-moi si ce n'est pas vous, mais est-ce que vous pourriez m'orienter sur la bonne personne? Ou si vous êtes la bonne personne, pourrions-nous nous parler, nous rencontrer, échanger, etc. Concluez là-dessus et proposez une échéance. Je me permettrai de vous appeler ou de vous recontacter pour donner suite à ce courrier. Je vous laisse prendre la mesure de mon courrier ou connaissance de mes compétences et de ce que je pourrais apporter. En revanche, je vous appellerai ou je vous réécrirai pour tenter d'organiser une rencontre à votre convenance, etc. Soyez poli mais directif. Il faut proposer une issue. C'est pas une bouteille à la mer et puis j'attends que ça se passe. Donc je vous écris, j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous apporter. Vous m'intéressez, je peux vous intéresser. Donc maintenant, comment est-ce qu'on procède? Êtes-vous bien la bonne personne? Dans ce cas-là, rencontrons-nous. Vous n'êtes pas le bon interlocuteur. Pourriez-vous m'orienter sur le bon interlocuteur?
etc. Et là, normalement, vous avez plus de chances de séduire la personne à qui vous avez écrit et surtout de ne pas être considéré comme une pollution.